Les tout petits coups de cœur de Fabienne, Mélanie Fuentes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de livres d'une auteure illustratrice qui habite sur le pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois et qui s'appelle Mélanie Fuentes. Ce que j'aime par-dessus tout dans les livres qu'elle illustre, c'est la douceur de ses couleurs, ses cadrages à hauteur d'enfant, ses perspectives, la tendresse qui se dégage de ses images. Avec Pogue, elle a écrit une petite série sur le quotidien des tout-petits. Quand un petit frère arrive dans une famille, ou encore quand frère et sœur s'avèrent être des jumeaux. Puis, avec Coralie Sodo, elle a illustré une série animalière tout en douceur, avec des couleurs tendres et pastel. Pour les un peu plus grands, Amélie Billon au texte, Le pensionnat Tenez-vous droit et La colonie terreur avec Louisette Chouette et Simon Libou. Et pour finir, peut-être mon préféré, un très joli conte de Noël, L'étrange Noël du petit homme bleu. Un conte tout en douceur, tout en couleurs bleutées et qui s'avère une histoire très originale. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce livre ainsi que tous les autres sur le réseau des bibliothèques du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Fin.